Bonjour. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Et si tout le monde va bien, on va commencer comme ça, on va commencer par là. Parce que la vie, elle est belle. Et on va faire sûr que pas un seul petit morceau de cette vie soit laissé de côté, parce qu'elle est tellement belle. On va la vivre entièrement, on va l'accueillir entièrement, on va la prendre à plein bras. Parce que autrement, ça n'a pas de sens de vivre. Si on vit à moitié, si on vit seulement des petites brides de choses, des petites joies éparses, par-ci, par-là, l'existence n'a pas trop de sens. Parce qu'on rentrera dans un système où la vie, on ne saura pas qu'elle est belle, parce qu'on vit quelque chose qui la rend laide. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde où la vie, elle est laide. On le sait. On n'annonce pas une tempête à personne, là. Nos déboires, nos envies, nos peurs, nos angoisses, les guerres, les famines et tout ça. Bien sûr, la vie, elle est laide. Et quand on vit cela, ben on ne sait plus qu'est-ce que c'est la vie. Donc, il est possible de ne pas vivre cela, de ne pas être impacté en tout cas par tout ça. Parce que si tu es impacté, alors tu vas subir ce qui fait que la vie devient quelque chose de monotone, de pas tranquillisant, quoi. Que tu sois pris dans ce cercle vicieux d'une vie de train-train, de répétition, de tout le temps les mêmes choses qui se répètent. Donc l'idée, c'est de voir comment fait-on pour ne pas entrer dans ce jeu. Parce que au détour d'une conversation, au détour d'un regard, au détour d'une rencontre, il y a toujours des réactions. Et ces réactions sont celles de nos pensées. Et nos pensées sont les ennemis de la vie. Donc, reste à savoir comment on va faire pour ne pas laisser ces pensées aller empoisonner l'espace dans lequel on est. Parce que ce sont nos pensées qui font en sorte que l'espace est contaminé. L'espace, c'est l'endroit où la perception se joue, où tout s'élargit dans une perception incroyable, où tout se voit, tout se dévoile d'instant en instant et dans une perception infinie. Mais quand il y a la pensée dans cette perception-là, alors la perception s'atténue. La perception est voilée et on ne voit pas très loin, on ne voit pas plus loin que le bout du nez de ce que la pensée propose. Et nos pensées, ce sont nos passés. Tout ce que nous, on a vécu, eh bien, ils viennent là et ils encombrent l'espace. L'espace de l'infini, ils encombrent l'espace. Donc, toute l'envergure est de savoir comment faire pour ne pas encombrer cet espace et laisser cet espace libre de la vision qui voit vers l'infini, au-delà du connu, au-delà des sentiers battus. Il ne se calque plus avec les choses qui ont été déjà ramassées, mangées, et il ne se calque plus avec ça. Il est libéré de tout le passé, de tout ce qu'il pourrait refaire avec. Parce que la vie devient quelque chose de très compliqué à ce moment-là, parce que la vie se répète, elle se ressemble à chaque instant, elle ressemble à ce que on a déjà vécu, on a toutes ces références qui nous dictent comment elle devrait être. Ça, ce sont nos pensées qui nous dictent ça. Quand elles viennent dans notre espace, l'espace de la perception, où il n'y a
où normalement il ne devrait rien y avoir pour pouvoir faire en sorte que cette perception soit libérée. Mais toutes les pensées qui sont là, en fait, elles interfèrent avec la vision de ce qui est sacré, la vision de ce qui est pur, la vision de ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est ça que tu es cette vision qui regarde, qui voit l'infini et qui l'explore d'instant en instant et qui met en place un fonctionnement dans le monde matériel pour que les choses ne soient pas stagnantes. Donc tu passes au-delà de toutes les tracasseries, les problèmes, et tu gardes le cap vers ce qui est infini, vers ce qui est illimité. Mais quand tu vis une vie limitée, tu es tout le temps en train de répéter les choses parce que tu n'es pas libéré de cet espace où tout est figé dans le passé. Et ce passé, c'est l'ennemi de ce que la vie elle est. Ce passé, ce sont nos pensées, hein, nos peurs, nos angoisses, tout ça, et qu'on trimballe avec nous et qu'on réitère dans le monde pour pouvoir se protéger avec du bien matériel, avec une posture matérielle où on se donne l'allure d'être celui qui est arrivé à quelque chose pour pouvoir se sentir bien et pouvoir légiférer son bien-être. Et tout ce bien-être qu'on essaye de légiférer, eh bien, crée justement dans le monde tous les problèmes que l'on connaît. Parce que tout le monde va vouloir être bien. Et comment on fait pour être bien? Eh bien, c'est quelque chose qui nous donne du bien-être. Donc, il faut qu'on prenne quelque part. Et en prenant quelque part pour ce bien-être qui est insatiable, qui est jamais satisfait, eh ben, on crée de la rivalité. Parce que ces choses sont des choses qui ont été prises par chacun d'entre nous pour pouvoir faire justement nos contentements. Et tous ces contentements que l'on a, eh ben, dépendent de ces choses-là, dépendent de ce que l'attitude de la personne en face de toi, de comment elle va entreprendre un regard vers toi, comment elle va se soumettre à toi. Et à ce moment-là, la vie devient un enfer. Pour tout le monde, parce que toi, tu deviens dépendant de cette personne qui va te donner ce que tu veux, et la personne va devenir esclave, soumise à ton rêve. En fait, on est tous vice-versa impliqué dans cette démarche pour pouvoir se sentir bien. Et tout ça rend la vie misérable. Alors que quand tu acceptes de ne rien avoir dans ton champ de perception, que ce champ de perception, il est libéré de tout le passé que tu as vécu, alors il y a une liberté là. La perception est libre. Et ce que tu es, c'est cette perception illimitée. Ce que tu es, c'est, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Et tu peux agrandir à chaque instant. Tu vas exponentiellement entrer dans un monde qui ne cesse jamais d'écarter ses frontières vers quelque chose de neuf. Et c'est ce que nous avons besoin, chacun d'entre nous, pour pouvoir vivre en paix. Mais si on prend de quelqu'un la joie que j'ai pour pouvoir m'étendre, eh ben, je serai étendu, mais de manière limitée. Et je serai en train de créer des problèmes autour de moi. Alors que c'est à toi de ne plus être dépendant de ces pensées. Parce que les pensées te dictent comment tu dois te comporter. Dans ton champ de perception, il y a toutes ces pensées et qui sont limitées et qui te dictent comment te comporter. Et tu te comportes de manière limitée. Tu n'es pas libéré de ce que tu voudrais, de ce que tu aimerais, de ce que le programme du passé te propose. C'est-à-dire toutes les expériences que tu as eues, les références que tu as gardées, ce sont nos programmes.
le programme de la vie de maintenant que nous voulons vivre et nous voulons mettre en place cela. Mais tout ça, c'est une illusion. on l'a compris, ça. Mais quand tu as compris ça, qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose qui se passe. Si tu as compris, il faut qu'il y ait une transformation là, à ce moment-là. Et s'il n'y a pas la transformation, c'est que tu as mal compris. C'est-à-dire que tu as continué à garder les trains-trains, les privilèges. C'est-à-dire tu veux bien avoir quelque chose de neuf au-delà des sentiers battus, mais tu veux quand même garder tes privilèges. Tu t'attaches quand même. Et ça, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Tu seras condamné à rester en arrière. L'esprit va être confus parce que l'esprit est attaché à quelque chose. Et pour que l'esprit puisse avoir cette perception infinie, il faut qu'il se détache de ce qui est une perception limitée à la chose que j'aime. Ça, c'est limité. Quand je suis là-dedans, je suis très petit. Ma maison, ma voiture, ma femme, mes enfants, tout ça, c'est une perception limitée. Et tu t'attaches à ça et tu fabriques en fait ta vie à partir de ça. Et toutes ces pensées que tu as, ce sont ces pensées qui tournent autour de tout ce que tu as acquis. Et là, on te dit, lâche tout et laisse toutes ces pensées-là tranquilles, ne joue pas avec, ne réagis pas avec. Parce que, en fait, quand tu ne réagis pas avec, alors tu as la possibilité de regarder au-delà de ce qui est limité. Tu as cette possibilité-là d'aller au-delà. Parce qu'au-delà, il n'y a rien sur quoi se tenir. Donc, tu n'as plus de repères, bien sûr. Mais tu explores. Tu explores à chaque instant quelque chose qui est neuf. Et ce neuf-là fait en sorte que la vie devient très intéressante. La vie prend un sens. Et c'est ce qu'on disait. C'est de ne pas rester dans le passé, mais de vivre ce qui est sacré. Ce qui est sacré, c'est l'inconnu. C'est ce qui est purifié de tout le passé, de tout ce qui a été connu. C'est-à-dire que c'est neuf à chaque instant. Et à ce moment-là, on peut comprendre que la vie, elle est belle. Et on peut la vivre, en fait. C'est pas quelque chose que l'on cherche. On le vit. Parce que si tu cherches ça, eh ben, tu seras dans ce que les pensées proposent, dans le champ limité de ta perception. Et ta perception voudra toujours faire quelque chose pour pouvoir s'élargir, mais il veut garder quand même, il veut s'attacher quand même. Donc ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait liberté totale de ce que propose le passé, c'est-à-dire ta pensée, c'est-à-dire tes mémoires, tout ce que tu sais, tout ce que tu veux garder. Donc si tu lâches tout ça, il y a une perception libérée et c'est cette vie qui est belle. Là, elle est belle. Hehehehe